Bienvenue sur ma chaîne YouTube Real Data Hero qui présente, introduit et explique mes analyses et graphiques des données publiques relatives au Covid-19 que je mets à disposition en téléchargement sur ma chaîne Telegram. Dans cette vidéo sur des principes de base, je souhaite vous présenter une autre mesure du Covid-19 développée par l'Université d'Oxford pour saisir et évaluer en détail les réponses des gouvernements à l'événement pandémique. On l'appelle Stringency Index ou indice de rigueur. Dans ma mise à jour européenne complète, qui est également publiée aujourd'hui, j'ai utilisé cet indice de rigueur dans son évolution temporelle par rapport au taux de mortalité afin de pouvoir discuter des interrelations entre les mesures et l'évolution des courbes de mortalité. Voici donc une introduction préalable à ce paramètre. En collaboration avec la Blavatnik School of Government, l'Université d'Oxford a mis en place un système de suivi pour collecter et évaluer les données des mesures politiques prises en réponse à la pandémie de 180 pays. Les données sont destinées à fournir un moyen d'évaluer le risque et à orienter les pays afin qu'ils sachent s'il est prudent d'adopter des assouplissements ou de mettre en œuvre de nouvelles fermetures. L'OXCGRT, Oxford COVID-19 Government Response Tracker, recueille quotidiennement des informations sur 20 indicateurs concernant les réponses des gouvernements aux mesures de confinement et de fermeture, aux programmes de soutien économique, aux mesures de santé publique, qui sont combinés en un ensemble de 4 indices communs, chacun pondéré par un nombre compris entre 1 et 100, 100 étant le niveau d'action le plus sévère. Il faut souligner que les indices ne reflètent que le nombre et la gravité des interventions gouvernementales et ne doivent pas être interprétés comme une évaluation de l'adéquation ou de l'efficacité de ces interventions. Les niveaux ne sont pas destinés à être une mesure de la meilleure ou de la pire réponse. Le site web Our World in Data offre la possibilité de télécharger les données de l'indice global, mais aussi de le visualiser sur une carte du monde. Avec un curseur, vous pouvez suivre l'évolution de la sévérité des mesures au fil du temps et obtenir par exemple des indications sur les mesures de confinement. J'ai évalué les valeurs moyennes quotidiennes de l'indice de rigueur pour deux périodes, celle allant de mars à décembre 2020 et une deuxième période commençant le 1er janvier 2021. J'ai évalué ces valeurs moyennes à l'aide d'un système de feux de circulation dans lequel les valeurs inférieures à 50 sont marquées comme des mesures légères avec un feu vert. Entre 50 et 59, ce sont des mesures moyennes avec un feu jaune et au-dessus de 59, des mesures sévères avec un feu rouge. Ici, 13 pays ont été classés dans la catégorie rouge, 13 autres dans la catégorie jaune et 7 dans la verte. Ici, dans ce tableau, j'ai classé les 33 pays européens étudiés par ordre décroissant de sévérité des mesures selon cet indice. Et dans la troisième colonne, après les valeurs moyennes de l'indice de sévérité, j'ai inscrit l'évolution des taux de mortalité en pourcentage des groupes d'âge de plus de 80 ans par rapport à la moyenne de l'année précédente. Je vais expliquer les détails du calcul de cette valeur en utilisant l'exemple de l'Autriche. Pour chacune des années, la somme des décès de ce groupe d'âge est divisée par le nombre d'habitants de cette tranche d'âge. Le nombre obtenu multiplié par 100 nous donne le taux de mortalité en pourcent. En 2020, il était de 10,94% en Autriche, soit la valeur la plus élevée de la période de comparaison. Si je prends la valeur moyenne des années précédentes, elle est de 10,44%. Ainsi, le pourcentage de décès a augmenté de 0,5% dans cette tranche d'âge. Cela représente une augmentation de 4,77% par rapport à la moyenne de l'année précédente. Dans le tableau, la couleur verte montre une diminution du taux de mortalité en pourcentage dans ce groupe d'âge. C'est le cas dans 10 des 33 pays examinés qui ont vu un déclin du pourcentage de décès de ce groupe d'âge. Il est évident qu'il n'y a pas de corrélation uniforme entre les mesures sévères et les mesures légères, mais des augmentations très importantes sont particulièrement perceptibles avec des valeurs élevées d'indices de sévérité, les pays dont la sévérité est la plus faible affichant la plus grande proportion de diminution du taux de mortalité.
Je ne ferai ici qu'évoquer les approches possibles pour inclure l'indice de rigueur dans l'analyse globale. Vous pouvez trouver toutes les données pour l'analyse détaillée des 33 pays présentés ici sur mon canal Telegram. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. Je voudrais présenter ici 5 diapositives du PDF complet et soulever des questions d'interprétation. Une évaluation scientifique détaillée sera réalisée puis publiée. La courbe rouge montre le nombre total de personnes décédées au fil du temps. Les zones bleues et vertes en arrière-plan marquent les minima et maxima des années précédentes et la courbe noire et jaune montre l'évolution de l'indice de rigueur. Si l'on suit l'évolution de cette courbe de sévérité des mesures, un certain nombre de questions se posent. Existe-t-il une corrélation entre des mesures plus sévères et une maîtrise réussie de la mortalité? La sévérité des mesures détermine-t-elle le succès? Des mesures modérées ont-elles des effets négatifs? Les mesures ont-elles un impact perceptible sur l'incidence de la mortalité en Norvège? La Suède n'a-t-elle réellement mis aucune mesure en œuvre ou des mesures trop légères? La Suède est dans le rouge avec un indice moyen de 60,6. En Italie, quelles sont les raisons d'une évolution globalement très défavorable? Quel rôle la sévérité des mesures a-t-elle joué? Y a-t-il un manque de cohérence? En Serbie, les mesures les plus dures selon l'indice de rigueur à 100 au moment de la première vague ont-elles été décisives pour cette courbe discrète? Le manque de cohérence est-il à l'origine de la forte augmentation enregistrée fin 2020? Ou bien la sévérité des mesures et les taux de mortalité élevés ont-ils une relation inverse? Comme toujours, je n'ai pas la prétention de porter un jugement, mais vous invite à effectuer vos propres recherches et analyses. Une courte vidéo d'introduction suivra prochainement sur ma chaîne YouTube, ainsi que la publication de l'analyse de toutes les données relatives aux décès pour 34 pays européens sur mon groupe Telegram. J'espère que mes explications ont été compréhensibles et instructives. Cette vidéo sera bientôt disponible dans d'autres langues. Je tiens à exprimer ma gratitude pour le soutien apporté aux traductions et aux enregistrements. Si vous aimez cette vidéo et mon travail, mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez le groupe Telegram Real Hero et Real Hero en français pour recevoir les futures mises à jour et vidéos. Vous y trouverez également de nombreuses informations complémentaires. Des sujets et des données plus internationaux y seront également publiés. À très bientôt !